L'adaptation a été facile pour les gardiens de but Dimitri Berton pour sa première séance d'entraînement avec les Léopards. Les entraînements se sont très bien ressentis. Je suis très bien ici, on s'entend tous bien. Ils m'ont bien intégré. Et après, c'était la première séance collective. On a fait un petit échauffement avec les gardiens de but. Ensuite, on est passé sur du 7 contre 7 en jeu réduit. Et enfin, de la finition. Et tout s'est bien passé. Il y a un très bon niveau de jeu. Et c'est bien, il y a beaucoup d'envie et beaucoup de hargne. Les derniers remparts de Montpellier va désormais concurrencer l'intouchable Lionel Mpassi et Sadi Bayo, bloqués encore à Kinshasa pour problème de visa. Alors, je suis formé à Montpellier. Je suis né à Montpellier, donc depuis tout jeune, j'ai fait toutes mes classes au Montpellier Hero jusqu'au pro. Après, je trouve qu'on est très bien logé. On a des beaux terrains, l'hôtel est super et on mange très bien. L'ambiance du groupe se passe très bien. Tout le monde est gentil, tout le monde rigole et tout le monde est travailleur. Donc c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Un mot pour les Congolais, je suis très content d'être appelé en sélection et on va tout faire pour vous rendre fiers de nous. Les quatre nouvelles figures convoquées pour la première fois sont dorénavant sur place afin de croiser la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Brian Bayeye, Dimitri Berton, Grady Diangana et les très attendus Simone Banza. Rendez-vous déjà le 13 octobre à Murcia pour le premier match amical, puis s'envoler à Lisbonne pour croiser l'Angola le 17 octobre.